Bonjour, alors je m'appelle François Quévillon. Dans le cadre de cette exposition, je présente du travail que j'ai fait pendant ma résidence en 2014-2015, que je mets en relation avec des œuvres plus récentes. Alors, le programme de résidence interdisciplinaire initié par Sparabol, l'Université de Sherbrooke, en 2014, visait à mettre en relation des chercheurs en sciences pures, génie et en sciences humaines avec un artiste. Et puis, l'idée était qu'un projet émerge de cette collaboration. Donc, ça a peut-être pris 6 mois avant qu'on tombe sur un groupe de recherche avec qui une collaboration était possible, parce que la plupart des chercheurs avaient des agendas bien remplis pour l'année à venir. Alors, c'est Jean Roy qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, qui a manifesté un intérêt à une collaboration. Puis, j'ai rencontré des étudiants de son groupe de recherche, le groupe de recherche NECOTIS, donc Neurosciences computationnelles et traitements intelligents des signaux. Et puis, il y a deux étudiants-chercheurs avec qui j'ai collaboré. Louis Comer, qui était à la maîtrise à l'époque, et puis Sean Woods. Donc, la stratégie qu'on a adoptée pour démarrer un projet, ça a été un peu de faire l'inverse de ce qu'on fait. Louis Comer travaillait sur la sonification d'un réseau de neurones, tant des réseaux de neurones biologiques qu'artificiels. Et puis, Sean Wood travaillait sur l'effet cocktail party. Donc, s'il y a plusieurs bruits dans une pièce, comment qu'on peut, s'il y a, disons, une centaine de personnes qui parlent en même temps dans une pièce, comment qu'on peut isoler une voix et bien la comprendre? Donc, la manière qu'on a procédé, c'est qu'on a fait un peu l'inverse de ce qu'on fait. Alors, l'idée, plutôt que de sonifier un réseau de neurones, c'était de générer des structures ou une espèce de cartographie à partir de sons. Et puis, plutôt que d'essayer d'isoler une voix, par exemple, dans un environnement bruyant, de ne capter que le bruit et puis de ne pas saisir, de faire une machine qui n'écouterait pas les humains, par exemple. Dans mon cas, je travaillais plus l'image habituellement, donc, je me suis plus concentré sur le son pendant ce projet-là. Autre élément qui a orienté notre travail, qui a eu lieu surtout à l'automne 2015, c'était de travailler avec le lieu, donc Sparabol, environnement très bruyant. En général, il y a le train, les automobiles, il y a des bars, donc pas mal de bruit ambiant, beaucoup de systèmes de ventilation aussi un peu partout. Et puis, beaucoup de caméras de surveillance un peu partout, beaucoup d'affiches qui indiquent que cette rue est sous surveillance et puis des trucs comme ça. Donc, c'était de s'intéresser aussi bon, toutes les problématiques qui entourent la surveillance et puis le contrôle de certaines technologies. Donc, le premier projet qu'on a développé à partir de Sparabol, l'environnement sonore de Sparabol, c'était une cartographie sonore qui était constituée de micro-échantillons d'un dixième de seconde captés à partir du toit. Donc, du bruit ambiant, et puis qui était capté à une fréquence d'au moins 10 secondes, donc il n'y avait pas vraiment de continuité dans ce qui était capté. Et puis ensuite, on venait cartographier ces sons-là selon différents paramètres, donc dans un espace à multiples dimensions, un espace 3D, mais avec aussi d'autres caractéristiques, par exemple des points qui étaient de différentes grandeurs, différentes couleurs, différentes transparences, opacités. Alors, c'est ça. Par exemple, sur l'axe X, on pouvait mettre l'amplitude du son, l'axe Y, les fréquences, l'axe Z, le timbre. Puis bon, il y avait une douzaine de paramètres de classification des sons dans lesquels on venait comme regrouper des sons similaires. Et puis ensuite, un processus de marche aléatoire, donc un processus stochastique qui venait connecter les points selon leur similarité lorsqu'ils étaient proches ou encore selon leur différence lorsqu'ils étaient éloignés. Donc, on pouvait passer de sons qui étaient très similaires dans le même espace ou à d'aller interconnecter des points qui étaient très différents, donc de faire des compositions. On peut appeler ça une composition contrastée ou encore un flux sonore de sons très, très similaires les uns aux autres. Suite à ce qu'on a fait à Sparabol, on a fait d'autres expériences. Entre autres, ici, générer un nuage à partir de 4 jours d'enregistrement d'orage qui sont disponibles sur le web, là, des sons, des banques de sons qu'on peut utiliser. Alors, ici, ben, des différentes dimensions viennent classifier les sons de différentes façons. Donc, l'axe X, ça pouvait être, par exemple, l'amplitude, l'axe Y, le timbre, l'axe Z, un autre paramètre du son. Et puis, l'idée, c'était de classifier différents bruits associés à un orage.
Et pour que, par exemple, tous les coups de tonnerre soient dans un endroit et puis qu'ils fassent une espèce de composition fluide à partir de différents enregistrements qui totalisent 4 jours au total, mais qui sont séparés en échantillons d'une seconde. Donc, ça venait faire une composition infinie à partir des enregistrements initiaux. Là. Donc, il y a une dimension assez poétique à générer un nuage à partir de bruit d'orage et ensuite de générer un orage infini. Autre expérience, cette fois-ci, similaire à ce qui a été fait à Sparrowball. Encore une fois, la configuration des points change, donc l'amplitude devient les fréquences et tout ça, et met en mouvement des fragments de champs d'oiseaux, en fait, d'un dixième de seconde. Donc, la configuration des points dans l'espace et les interconnexions possibles est modifiée selon les paramètres des sons. Là, et puis, la façon qu'ils sont classés et réorganisés ensemble. Encore une fois, une espèce de nuée d'oiseaux infinis qui se déplace à l'infini qui est représentée ici. Suite à ma résidence, bon, je suis retourné à ma pratique plus indépendante solo, où je m'intéresse entre autres aux interactions de problématiques environnementales, technologiques et socioculturelles. Et puis, je travaille depuis le début des années 2000 sur les systèmes de vision par ordinateur et puis la photographie computationnelle, algorithmique, calculatoire. Jamais sûr de quel adjectif utiliser. Alors, en 2016, il y a tout l'avènement des véhicules autonomes, que je trouvais que c'était un champ de recherche assez intéressant à observer en relation aux images, aux données et tout ça. Et puis, je me suis aussi impliqué dans un groupe de recherche à l'UQAM qui s'intéressait aux images opératoires. Donc, les images opératoires, c'est des images produites par des machines pour d'autres machines, si je reprends les mots de Trevor Paglen ou d'Arun Farocki, ou encore des représentations sur lesquelles on peut agir et ou qui agissent par elles-mêmes, si je reprends les mots, cette fois-ci, de Samuel Bianchini. Donc, je trouvais que les véhicules autonomes, c'est un bon exemple de ça, pas nécessairement au niveau de l'image, mais aussi de captation de toutes sortes de données. Mais si on se concentre principalement sur les images, bien bon, les images ne sont pas tant destinées aux humains, mais elles servent à piloter un véhicule. Et puis, je mettais ça en relation avec un autre phénomène assez populaire sur le web, sur YouTube particulièrement, bien, les compilations de dashcam, d'enregistreurs de conduite, de caméras embarquées. Donc, c'est toujours des scènes un peu spectaculaires, catastrophiques, ou je sais pas, un véhicule qui traverse un incendie de forêt ou un ouragan. Des gens qui s'y jettent volontairement sur les véhicules. Donc, on peut dire que c'est un autre type d'image opératoire. C'est pas tant destiné. Toutes les heures qui sont accumulées ne sont pas tant destinées à être regardées par la suite, mais servent de témoin oculaire au cas où qu'un accident arrive. Alors, oui, je trouve ça intéressant de mettre en relation le comportement programmé de la robotique mobile avec l'imprévisibilité du monde. Et puis, bon, les compilations d'enregistreurs de conduite, c'est comme un condensé d'imprévus qui se déroulent sur la route. Alors, voilà, c'était la piste de départ d'une série de projets que j'ai réalisés depuis 2016. Et puis, d'autres types de systèmes d'imagerie associés aux véhicules sont venus s'embarquer là-dedans. Par exemple, une caméra de recul que j'ai reconstituée contextualisé dans l'exposition ici. Là. Donc, c'est encore une fois une image opératoire qui sert à nous assister quand on se stationne. Ça, il y a d'autres capteurs qui sont intégrés à ça, par exemple des capteurs ultrasons qui viennent calculer la distance. Donc, je m'intéresse aux bagnoles en tant qu'espèce de réseau de capteurs qui peuvent accumuler l'information et sur lesquels sont maintenant embarqués des caméras par défaut et puis différents systèmes. J'ai réalisé différentes œuvres liées à ça, entre autres la série Manœuvre qui est présentée sur la Fabrique culturelle, un programme avec le Conseil des arts et lettres du Québec là, qui a permis de réaliser 6 capsules vidéo. C'est une série que je continue aussi, je continue à produire des vidéos dans cette lignée-là. Et puis, je réalisais des images et un dispositif qui est probablement l'élément central ici que j'ai réalisé en collaboration avec un nouveau chercheur du groupe Nécotis, Étienne Richand. Donc, j'ai rétabli contact avec le groupe avec qui j'avais fait ma résidence en 2015. Et puis, on collabore depuis l'été 2017 environ sur la réalisation d'un dispositif qui reprend certaines idées que j'avais développées avec Sean et Louis.
Oui, donc depuis la fin de 2016, je fais des captations sur la route avec une caméra qui est connectée à l'ordinateur de bord de l'auto. Donc la caméra est installée sur le pare-choc avant et puis par Bluetooth, on enregistre en parallèle différentes informations liées au véhicule, entre autres bon, la vitesse, le régime moteur, la température de différentes choses, hein, liquide de refroidissement, moteur, température extérieure. Et puis aussi la caméra, un gyroscope, accéléromètre qui permet de connaître la stabilité du véhicule et des choses comme ça. Et puis, bon, les coordonnées GPS, bien entendu. Donc, je capte des images, des sons et des données en parallèle. Et puis, bon, je fais plein de captations depuis 2 ans. J'ai peut-être l'équivalent de 2 ou 3 mois d'enregistrement. Donc, de ces enregistrements-là, bien, des fois, j'extrais certains éléments pour soit produire des vidéos ou que j'intègre au dispositif interactif dont on va parler plus tard. Ou encore, je réalise des images. Ici, j'étais arrivé devant un véhicule renversé dans une cour à scrap, donc un dépotoir automobile. Et puis, j'étais quand même curieux de voir comment que la scène serait perçue par Segnet, donc un réseau de neurones artificiels qui fait de la segmentation sémantique, qui est développé par un groupe de recherche au Royaume-Uni. Il y a d'ailleurs un démo disponible sur le web dont on peut essayer différentes images et voir comment que ça va être interprété par le système. Donc oui, ici, j'étais intéressé de voir qu'est-ce qui se passe si le véhicule est renversé, est-ce que ça va être bien analysé ou non. Globalement, ça fonctionne assez bien. Donc, le ciel ici, la route là, végétation ici. Seule chose qui est mal classifiée, en fait, c'est les roues. En fait, c'est des cercles dans les airs qui sont classifiés comme étant de la signalisation. Donc, du côté droit, en fait, là, j'étais curieux d'inverser complètement l'image, de voir ce qui se passe, parce que quand même, les systèmes sont entraînés avec la route en bas et le ciel en haut. Et effectivement, comme toutes sortes de phénomènes excitants qui se déroulent ici, donc la route est dans le ciel, mais du côté gauche et droit de la route, c'est le trottoir. Donc, ça m'intéresse ici, quelle est la frontière entre la route et le trottoir dans le ciel? Et puis, ben, dans la partie supérieure de l'image, en fait, ben, il y a une séparation entre en rouge des bâtiments et à droite, ici, en gris, le ciel. Alors, même chose, je m'intéresse. Quelle est la frontière entre les deux? Pourquoi est-ce que ici ça tombe dans la catégorie ciel et là bâtiment alors que c'est ni l'un ni l'autre? Puis aussi d'autres petits détails, par exemple ici les poteaux qui deviennent des piétons. J'imagine les deux poteaux parallèles, ça ressemble à des jambes, donc potentiellement un être humain. Depuis 2 ans, j'accumule du matériel, tant vidéo que les données du véhicule et l'environnement dans lequel il se trouve. Et puis, avec ça, ben, j'extrais des données, dans le fond, un peu comme j'ai fait avec le projet avec les sons en 2014-2015, ben, l'automne 2015 principalement. Cette fois-ci, en plus d'analyser les sons, on analyse les images avec différentes techniques, entre autres en utilisant Segnet, donc une segmentation sémantique où il classifie différents objets dans la scène, calculer la luminosité ou la teinte principale de l'image, et puis bon, analyser les données provenant du véhicule, la vitesse RPM et différentes données de cet ordre, et puis bon, l'environnement, donc la température ambiante, la stabilité du terrain sur lequel le véhicule se trouve. Un peu dans le même ordre que le projet de son de 2015, on peut donc combiner différentes caractéristiques des images ou du son et puis venir regrouper des scènes similaires, du moins similaires selon le système, ensemble. Donc, par exemple, si on choisit des scènes avec beaucoup d'arbres, le véhicule à vitesse à zéro, bien, on va se retrouver stationné souvent dans une forêt ou face à des arbres. Et puis, même chose si on met vitesse maximale, puis une route, bon, on va se retrouver sur l'autoroute en train de rouler relativement vite.
Alors, voilà, ici, ben, c'était de faire un petit clin d'œil à nos habitudes de tout quantifier, de tout calculer, donc de transformer des sons en données, des images en données, puis ensuite d'essayer de regrouper différentes informations qui ont souvent absolument rien à voir les unes avec les autres pour aligner le fil des événements. Donc, le système a un mode semi-autonome, si on veut, donc il va générer une suite d'événements selon des paramètres qu'il va sélectionner. Là. Parfois, ça va être juste des scènes où le volume est au minimum, où la vitesse est à zéro. Et puis, des fois, il va commencer à partir dans une direction. Là. Donc, progressivement, augmenter la vitesse, progressivement augmenter l'aspect percussif des sons ou, disons, d'ajouter des bâtiments dans les images, des trucs comme ça. Il y a aussi un contrôleur qui est intégré à la chose qui permet de... tant d'avoir une espèce de visualisation de données que de pouvoir manipuler des paramètres et de combiner différentes choses ensemble. Puis, sur le contrôleur, je travaille avec Artificiel, en fait, qui a fabriqué le contrôleur ici, qui a des encodeurs lumineux, un peu comme une radio d'automobile, si on veut. On peut sélectionner différents paramètres et mettre au minimum, maximum, comme on montrait la température, on baisserait le volume du son hein, sur une radio d'auto. Et puis, on peut combiner ces différents paramètres-là, puis aller sélectionner différentes scènes qui ont le même type d'information. Bien entendu, lorsque j'ai fait mes captations, bien, j'ai cherché des scènes problématiques, donc qu'est-ce qui se passe dans une tempête de neige où la caméra est graduellement obstruée par la neige, ou encore la chaussée est complètement neigée, ainsi que tout ce qu'il y a autour, donc l'image est pratiquement toute blanche, comment est-ce que ça va être classifié, ou encore dans l'obscurité totale, qu'est-ce qui est perçu puis comment c'est classifié. Puis, il y a aussi le modèle d'incertitude de SegNet qui est intégré au système. Donc, quelles sont les scènes qui ont le plus de difficultés à analyser? Donc, si on le met au maximum, on voit tout ce qui a de la difficulté à classifier. Alors, encore une fois, il y a comme une dimension poétique, une dimension scientifique à ce type de paramètres. Donc, ouais, j'ai collaboré avec Étienne Richand depuis la fin de 2017 sur le développement de ce projet qui est soutenu par le Conseil des arts du Canada. Puis j'ai aussi fait différentes résidences, entre autres à la Chambre Blanche, à Diamond, puis à The Rooms, à Terre-Neuve. J'avais aussi une exposition à Paved Arts à Saskatoon et puis j'ai été en auto, donc j'ai capté beaucoup de scènes à travers le Canada puis en revenant par les États-Unis. Donc, puisque ça fait 2 ans que je fais des captations, bon, on a différents environnements géographiques, différentes saisons, donc de différents types de situations. Donc, ben, ce qui était intéressant de la réalisation de ce projet-là, c'est que, bon, d'une part, ça a modifié ma conduite. Un peu, je conduisais comme un directeur photo, donc je voulais avoir certaines scènes fluides à certains moments. Puis, d'une autre part, ben, je savais que tout était enregistré et allait être analysé par un système. Donc, bien entendu, ça modifie la façon qu'on conduit.